Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew 2. Les amis, dans cette vidéo, on est parti pour découvrir ensemble les nouvelles épreuves de la nouvelle saison, donc The Storm. Les gars, je suis avec la Mitsubishi, la FTO, et on va découvrir ça ensemble. Donc dans les activités, donc là, Into The Storm, donc on voit saison 7 épisode 1. On a One Race, No Rules. Donc déjà, on va tester celle-là et après, je pense que les autres vont se débloquer au fur et à mesure et on va voir un peu ce qu'il en est. Donc allez, on est parti. Voilà, donc comme on voit, on rentre dans, dans ce genre de hangar où je sais pas trop ce que c'est. On va voir un peu ce que c'est. Ouais, c'est un style de hangar. Bon, ok. Alors, One Race, No Rules. Oh, ça a l'air d'être pas mal. Donc en première ligne, je sais pas si vous avez vu le véhicule qu'on avait. Donc on a Pontiac Firebird et là sur la droite, la Mitsubishi. Ok. Oh là là, ouais, qu'est-ce que c'est cette histoire? Allez, on est parti les gars. Hop. Voilà, donc là on voit les checkpoints, ce sont des fumigènes, hein, un peu style à la Forza, hein, bien évidemment. Ok, là ça va tourner sur la droite. Bon, je vais pas aller trop vite parce que ce véhicule, c'est vrai qu'il est ultra galère à gérer. Et du coup, cette course, c'est la première fois que je la fais. Je la découvre en même temps que je fais la vidéo. Allez, à fond. Hop là, on a un gros... Ouais, elle est vraiment chaude à gérer cette caisse. Je pense qu'après, on va quand même changer de voiture. Hein. On va tester la Pontiac après, tiens. Bien évidemment, la Pontiac, c'est un véhicule que je ferai en vidéo, custom et ses tests. Hein. Allez, on est à 16%, 49 secondes. Donc j'ai l'impression... Ah, regardez, là, petit raccourci, déjà d'entrée de jeu. Ok. Allez, à fond, à fond. Hop là. Oh putain, c'est quoi ça? What? Ok, donc là, on a du saut. Oh, c'était pas mal du tout. Allez, prends les tours. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être assez kiffant. Bah, c'est vrai que le truc du saut, c'était pas mal. Bon, sinon, en dehors du checkpoint, ouais, on a les montgolfières là, dans le ciel. Bon, il y a moyen de faire du raccourci un peu de partout, j'ai l'impression. Bon, après, c'est pas des très très gros raccourcis, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ok, allez, à fond, à fond. C'est vrai que cette voiture, elle est ultra galère. Hein. Étant donné que c'est une traction, donc c'est les roues avant hein, qui tractent et non propulsion. Allez, on a encore des montgolfières là devant. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire un tout droit là? Pour gratter un petit peu, oui. Elle a du mal cette caisse, elle a vraiment du mal à prendre les tours, c'est dommage. Hein. Allez, on est à 51% 2 minutes, hein, donc c'est un peu plus de 4 minutes la course quand même. Donc ça, c'est cool, c'est des longues courses. Après, pour l'instant, j'ai pas trop vu le truc qui doit arriver, genre en plein milieu de la course, genre l'obstacle. Pour l'instant, je sais pas trop. Mis à part le saut, j'ai rien vu de ouf, on va dire. Ok, donc là, ça tourne. Bon, là, je me suis mangé une petite caisse. Allez! Ouais, non, vraiment, cette voiture, elle est vraiment molle. Hein. Les gars, on va vite changer ça parce que ça me gave. C'est vraiment pas la voiture que je préfère dans le jeu. Hein. Clairement. Allez! Olé, la montgolfière sur la gauche, je sais pas si vous avez vu, qui était au sol. En train de se faire gonfler. L'appareil sur la gauche. Ouais, il y a plein de montgolfières. Hein. Allez, 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 allez. On est à 77%. Je n'ai pas vu de cinématique ou d'objets qui s'écrasent sur la route. Peut-être pour les prochaines épreuves, on va voir ça, les gars. Allez, 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 allez. Allez, à fond. 85%, les gars. Ouais, cette voiture a du mal à prendre les tours, hein. Ça c'est clair et net.
Ok. Allez. Ah, checkpoint raté. J'ai un petit fail. Allez, à fond. 96%, on est à 4 minutes 24. Bon les gars, on va vite se zapper cette caisse là. Bon, j'ai pas vu de cinématique les potos. Allez, ok, super. Bon, écoutez, la course est sympa. Maintenant, rien de bien ouf, hein, réellement. Hein. Mis à part le saut à un moment, j'ai rien vu d'extraordinaire. Ouais, voilà, les montgolfières aussi. Hein. Grosse alerte météo pour la prochaine course, les gars. Bon, hâte de voir ça. Allez, on va virer cette caisse. Bon, allez, les gars, on va prendre celle-là, donc la Pontiac Firebird, donc le nouveau modèle qui vient d'être arrivé dans le jeu. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, je n'ai pas fait les réglages pro. Donc, allez, on va tester cette course avec ce véhicule. Alors, voilà, donc du coup, ça nous a débloqué la prochaine épreuve. On est parti, on va la tester, on va voir. Donc, comme ils ont dit, prochaine épreuve, alerte météo, donc c'est logiquement là qu'on va voir un peu ce qu'il en est de cette mise à jour, on va voir ce que ça va donner. Olé, petite cinématique à chaque fois. Allez, ça marche, on est parti les poteaux. Go! Ouais, donc, ah ouais, donc le mec il s'arrête en plein milieu de la route. Déjà le son, là rien à voir avec l'autre véhicule. Hein. Là on a de la grosse américaine, du gros muscle car. Alors, hâte de voir cette histoire de météo. Ah ouais, on a du saut. À fond. Voilà, je vois qu'il y a plein de petits virages qui arrivent. Je suis à bloc, les gars, je suis à bloc. Ah, on passe. Ouais, j'allais dire sur du tout terrain. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Waouh, ouais, stylé. Bon, par contre, quand on se mange un véhicule, là, ça fait mal. Bon, en même temps, l'atterrissage d'un saut. Alors, j'essaie de voir si derrière il y a de la tempête ou quoi. On voit que le temps est chelou. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une tempête qui en approche. Je sais pas. On va voir. On est à 40% de la course. Allez! Ah, on va passer dans une grange, j'ai l'impression. Olé, stylé. Wouhou! Pas mal, pas mal. Voilà, on passe entre les arbres. Encore du saut, il y a plein de sauts là. Hein. Là, à cette épreuve, on voit clairement la différence par contre. Hein. Comparé à la première qui avait un seul pauvre saut, là, j'ai l'impression. Hop, 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 j'ai l'impression qu'il y en a de partout. Bon, par contre, pour la dernière épreuve, je changerai encore de véhicule. Et j'irai prendre un véhicule que je kiffe. Alors là, c'est quoi ce bazar? Alors je sais pas si vous avez vu. J'ai l'impression qu'on pouvait sauter. J'ai l'impression qu'il y avait genre un petit saut sur la gauche avec des escaliers. Je suis pas sûr. À valider. Ah, là j'ai l'impression que le vent se lève, regardez devant. Ah ouais, ça nous pousse et tout carrément. Incroyable, on voit que le vent, genre on a une prise d'air au vent. Et le véhicule est un peu dévié de la trajectoire. Alors voyons voir. Ah c'est stylé les gars. Et on le sent réellement en fait. Hein. On voit en face, regardez, le gros nuage de sable. Oh, c'est de la balle. Ah, le poteau qui tombe, regardez en face. Enfin, je sais pas si c'est un poteau, un silo, je sais pas trop comment on peut appeler cette histoire là. Oh, on entend le bazar arriver en tout cas. Allez. On est à 3 minutes de course. Ah, franchement, cette épreuve, elle est vraiment stylée par contre. Hein. Ah, ah, on a du vent, du saut. Oh putain, les sonnettes, les alarmes et tout là. Oh, ça tue.
Ça tue, les gars, ça tue. Allez, ok, on est arrivé. Bah, ça va être la prochaine épreuve, elle va être monstrueuse, à mon avis. Oh là 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 là, les gars, c'est quoi ça? Oh, la prochaine épreuve va être terrible. Bon, ok, ça marche. Eh, franchement, la deuxième course était vraiment super. Allez, de là, les gars, on est parti pour la troisième épreuve. Hâte de voir ce que ça va donner. Et là, comme vous voyez, j'ai pris ma Lambo. Donc là, c'est un véhicule que je connais. Je connais un peu plus son comportement, tout ça. Donc ça risque d'être fort intéressant. Alors, voyons voir ce qu'il en est de cette épreuve. Beat the dust. Ok. Donc là, avec le truc qui tombe. Voilà. Ah là, on est clairement dans la tempête, les gars. Ouf. Ah ouais, donc... on voit pas très loin la route. Oh putain! Oh, désolé pour le gros mot, mais là on est poussé de tous les côtés. Bah, il est clair qu'avec la Lambo, ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Allez! On passe par-dessus les câbles électriques. Oh là là, on est dévié de ouf! On est dévié de ouf, les gars! Oh punaise! Ah ouais, donc là c'est. C'est vraiment le gros bazar, des véhicules de partout. C'est la guerre, les gars. Oh, on est dévié de ouf. Oh, c'est flambant. Eh, franchement, ce qu'ils ont fait là, The Crew, ça tue. J'aime bien. Allez, ok. Hop. Oh, papa. Dès qu'il y a des bourrasques devant là, on voit que la voiture part à fond sur la droite ou sur la gauche. Oh, c'est de la tuerie, les gars. Franchement, je suis hypé. C'est fou, mais après 4 ans, ils arrivent encore à me surprendre, quoi. C'est ça qui est fou. Eh, GG les devs. GG les devs. Autant la première course, elle était pas folle. Autant la deuxième, elle a commencé à nous mettre dans l'ambiance. Autant celle-là, ma, elle est stylée de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'adore. Allez, on repart de plus belle. Oh, c'est un truc de malade. Et dire que c'est cette épreuve qu'on va devoir farmer là pour gagner des CC pour la commu. Ça risque d'être compliqué. Mais je pense que ça va être très intéressant. Allez, à fond. Les gars, je suis poussé de tous les côtés avec le vent. Allez, plein pot. C'est assez chaud, hein. De tenir la voiture droite, c'est vraiment, vraiment chaud. Ah ouais, donc là, il y a des bagnoles de tous les côtés. Des sauts. Allez. On est à 2 minutes 28, franchement. Bah, on voit pas le temps passer, là, pour le coup, sur cette course. Allez, oh, c'est de la balle, c'est vraiment de la balle. Alors je sais pas ce que ça va être les prochaines courses, mais en tout cas celle-là est vraiment sympa. Hop, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gratter un petit peu? Ah, dehors de l'arène. Ouais, ça a été validé. Allez, à fond. Ouf, oh, comme j'ai été poussé sur le côté gauche. 76%, 3 minutes 17. Oh, papa, quand on a le vent qui nous pousse en plein vol. Oh, mais c'est un truc de ouf, les bourrasques de vent qu'il y a là. Oh, c'est de la tuerie, hein. Putain, c'est vraiment de la tuerie. Désolé, mais je kiffe. Ah, là on avait un petit saut, là pareil, hop, on les évite, hein. Si on veut gagner du temps, si on veut kiffer, on les prend par contre.
Allez là. 94%. Allez. Allez, à bloc. L'arrivée est là, les poteaux. Allez. Ok, 4012. Bon, bah franchement, terrible. Franchement, terrible. J'ai adoré. Ah, donc là, on a la petite cinématique. Par contre, il n'y a pas le son de la voix du personnage. Ça, c'est dommage. Mais ok, ça roule. Allez, ça marche. Franchement, c'était vraiment de la tuerie. J'ai adoré. Alors, du coup, est-ce qu'on a accès à la quatrième course ou pas? Bah écoutez, on va voir ça de suite. J'attends juste que ça vire. Voilà, allez, on va voir ça. Oui, on a bel et bien possibilité de faire la quatrième course. Donc allez, on va se la faire, les gars. On va se la faire. Ok, ah ouais, donc là on voit toutes les montgolfières qui sont tombées, on a un morceau de grue ou un camion, je sais pas ce que c'était, qui était allongé sur la route. Alors là j'ai l'impression que le temps est quand même un peu plus dégagé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de tempête là pour le coup, ça s'est calmé. Et on est après la tempête, donc si on voit genre les infos du début, tout ça, on est donc après la tempête. Ah ouais, style. Ok. On a du saut encore. On a des trucs sympas. Allez, à bloc. On a... Ah ouais, ça marche. Donc là, on a tous les obstacles, tous les arbres, tous les trucs qui sont tombés pendant la tempête, qui sont en plein milieu de la route, et genre, il faut les éviter. Ouais, c'est vraiment pas mal, leur idée. Et je sais pas si vous avez vu, on a encore une course après. Wouah, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Allez, hop. Genre, on voit que dans l'atmosphère, il y a comme des résidus de poussière. Mais que ça s'est un peu calmé quand même. Alors là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ok, donc là, on passe sur la gauche. Bon, dès qu'on passe en tout terrain, on perd énormément de vitesse. Oh, j'étais en plein freinage, mais bon. Bon, celui-là, il faut l'anticiper. Hein. Allez, on est à 38%, 1 minute 30. Allez! Regardez toute la poussière qui est à l'horizon. Je sais pas si vous avez vu, on voyait tout un nuage. Genre de sédiments qui sont en suspension dans l'air. Allez, à fond! Ok, on repasse dans un truc comme ça, là. Oh, punaise. Hop, 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 hop. Ah, c'est flambant, c'est flambant. Ça, c'est des courses qui font plaisir. Dites-moi, les potos, ce que vous en pensez dans l'espace. Ah, il y avait un saut, là, sur le côté gauche qu'on pouvait prendre. Ça nous faisait comme un petit raccourci, au final. Je disais donc, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ces courses. Est-ce que vous kiffez ou pas? Perso, j'adore. L'idée est vraiment bonne. Et ils ont réussi à nous mettre vraiment dans l'ambiance, donc je trouve ça vraiment cool. Allez, freinage. Allez, on passe dans un petit tunnel. Allez! On est à 72%, donc ça va quand même assez vite. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer sur ces courses. Ouais. Ouais, donc là, tout un village qui est un peu en ruine. Allez, on reprend la route. On a une montgolfière, des arbres, plein de trucs qui sont tombés au sol. Encore des arbres. Allez, à fond. Ah, là, il y a un saut sur la gauche. Là, un saut.
Allez! Ah ouais, là il y a le bouchon et tout. Alors on est à 95% les gars. Allez, noce! Jusqu'au bout. 350 km/h. Allez! Ok. Bon, et pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Il est clair qu'elle est moins. Comment dire? On en prend moins la vue, on en prend moins plein les yeux que l'autre d'avant, mais elle est quand même pas mal. Et on n'entend toujours pas la voix du mec, hein, quand même. Hein. Alors je sais pas si c'est normal, mais bon, ok. À suivre. Allez, ça marche. Franchement, c'est un kiff. Hein. Franchement, c'est réellement un kiff. Alors on va voir s'il y a moyen de faire la dernière. Et de là, les gars, on est parti pour faire la dernière course. Final call. Allez, c'est parti. Oh les gars, il y a des flics. C'est dans cette course qu'il y a Condé. Oh là là, ça va être de la balle. Je le sens que ça va être de la balle. On est un peu sur un style de gunball. Allez. Allez, à bloc. Bon, je vais pas cramer tout mon os d'entrée de jeu. Hein. Ok, donc là, il y a les flics. Pour l'instant, c'était pas trop un barrage. On va dire qu'ils nous ont pas trop gênés. Hein. Ah, là, les flics encore. Ouf, on a l'avion qui nous passe. Ah, c'est stylé, les gars. Hashtag Forza Horizon. Non, franchement, c'est stylé. Ah, les condés. Ça va, ils nous gênent pas. Oh, qu'est-ce que c'est ce bordel-là? Ouais, ça commence à être intéressant, là. Hein. Ah, là, on a du saut. Encore du saut. Ah, pa. Ouais, donc là, j'ai la voiture qui est partie un peu en cacahuète. Allez, on repart. Ouais, franchement, c'est style. Hein. On est à 41%, 1 minute 17 de course. Allez. On reprend un peu de la vitesse. Ouais, on a plein de voitures de flics qui arrivent. Mais du coup, elles nous gênent pas tant que ça. Mais c'est vrai que quand on les regarde arriver, du coup, on regarde pas trop la route et du coup, on se fait un peu surprendre. Parce qu'on a l'impression qu'ils vont nous rentrer dedans, mais au final, non, j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent que sur le côté. Alors, du saut. Oh, ouais. Bon, il faut pas sauter trop haut, parce que sinon, on peut vite terminer à l'extérieur du circuit. Là, on a un avion sur la droite. Bon, au final, les voitures de flics, elles nous dérangent pas plus que ça, hein. Encore un saut. Ah la Need for Speed, les gars, on fonce dans le panneau. Ah, mort de rire. Allez, 78%. Ok. Ah, c'est pas mal les petites cinématiques qu'ils nous ont fait en tout cas. Allez. Les poteaux. Allez. Oh, il y a de plus en plus de flics. Waouh, flambant. Faut aller où là? Ah, c'est de la balle, franchement, avec l'avion qui a atterri en même temps que nous. Ah, c'est stylé, les gars. C'est vraiment stylé. Et on monte dans l'avion et on se casse. Ouah, ça tue. Ça tue. Ils ont vraiment fait quelque chose de sympa là. Vous m'avez impressionné, hein, vous méritez cette voiture. Oh, les gars, j'ai débloqué la caisse. Incroyable. Je savais pas que c'était en faisant ça qu'on allait débloquer le véhicule. Ouah, ça tue.
End of the Part 1. Donc ça veut dire que les prochaines saisons, on aura deux trucs du style, d'autres courses un peu comme ça, et peut-être qu'on débloquera d'autres véhicules par la suite. Enfin, logiquement, oui. Bon, en tout cas, franchement, j'ai surkiffé, les gars, ces courses. C'est vraiment sympa ce qu'ils nous ont fait, les développeurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Les amis, j'arrête là pour cette vidéo. Nouveau véhicule gagné. Voilà. Elle est là. Elle est là, les gars. La Mitsubishi 3000 GT. Pas flambant, flambant. Bon, du coup, la 3000 GT, elle fera l'office d'une prochaine vidéo, bien évidemment. Allez, sur ce, les amis, j'arrête là pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Discord, vous avez ma chaîne Twitch, mes partenaires Instant Gaming et Burn Controller. Les amis, je vous dis bon game à tous et à plus, les amis, à plus. Allez, ciao!